Allez, salut, 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 salut les gars. Voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Donc, comme d'habitude, voilà, je viens toujours répondre au questionnaire et puis je viens toujours essayer d'apporter mon soutien. Voilà, pour ceux, par exemple, comme ça, qui veulent postuler dans les bourses pour des bourses d'études à l'étranger. Si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo, essayez de me donner une pouce bleu, essayez de vous connecter. Essayez de vous abonner parce que c'est ce qui donne la force à pouvoir donner tout ce que nous pouvons sur le site, sur la chaîne YouTube. Voilà. Et aujourd'hui, je suis juste là pour continuer sur la bourse de l'île Maurice. Et nous sommes là. J'ai déjà fait deux vidéos ou trois vidéos. Donc, je suis juste là pour essayer de continuer. Et aujourd'hui, je vais me fixer un peu sur le thème d'admission. Parce que pour pouvoir postuler à la bourse, il faut avoir un passeport, il faut avoir un passeport ou bien une carte d'identité. Il faut par exemple comme ça chercher à avoir un service médical. Il y a l'application form qui est en ligne aussi qui est là. Et pour les doctorants et les masters, ils doivent écrire un sujet, un projet pour pouvoir présenter. Et aussi, ils doivent trouver un superviseur pour pouvoir les aider à suivre les dossiers et tout ça. Donc, parmi les dossiers cités, il y a la lettre d'admission. Et la lettre d'admission, c'est une lettre qui est vraiment primordiale. Si vous l'avez, vous postulez avec et vous soumettez. Pour ceux, je répète encore, pour ceux qui voient juste cette vidéo-là, essayez de voir. Je vais mettre les liens des autres vidéos que j'ai déjà fait en commentaire. Comme ça, vous allez suivre et vous allez savoir en fait où nous en sommes. Voilà, pour ne pas aller trop vite en besogne, pour ne pas vous tromper, pour ne pas être désorienté, voilà. Donc c'est un peu ça. Nous avons déjà fait des vidéos, j'ai déjà expliqué comment est-ce qu'on postule à cette bourse. Mais parmi les documents cités, il y a la lettre d'admission. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons essayer de vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut faire pour avoir une lettre d'admission et compléter à vos dossiers. Voilà, donc les gars, essayez de me suivre, restez toujours connectés et à plus. Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc aujourd'hui je suis juste là pour continuer sur la bourse du gouvernement mauricien. Et vous savez déjà, j'ai fait plusieurs vidéos, je vais dire au moins deux vidéos sur cette bourse-là. Et ici, comme ça, pour ceux qui veulent voir la vidéo parler, d'abord regarder avant de venir sur celle-là. Vous pouvez aller parmi mes vidéos, voilà les trois dernières vidéos, essayez de vérifier, vous allez voir la vidéo sur l'île Maurice. Voilà, donc on va passer un peu en revue les éléments qu'il faut d'abord pour pouvoir postuler à cette bourse là. Et ainsi, moi aujourd'hui je vais comme ça essayer de vous montrer comment est-ce qu'il faut postuler pour une admission, parce que l'admission fait partie, l'admission pour avoir une lettre d'admission, voilà, une lettre d'invitation fait partie des dossiers qu'il faut fournir pour pouvoir postuler à la bourse. Voilà, je crois que j'ai déjà tout dit, j'ai déjà montré comment est-ce qu'il faut postuler à la bourse, donc là ce n'est pas un souci. Donc ici, si je viens sur par exemple comme ça, bourse d'études, je vais dans la bourse, c'est-à-dire la bourse qui est concernée, je clique sur programme de bourse d'études Maurice Afrique, voilà, et il y a l'interface qui se propose là. Vous allez voir l'interface qui se propose, voilà ici. Et si vous voulez, par exemple, pour ceux qui veulent voir encore les documents qu'il faut fournir, je peux venir là, voilà, ou bien vous pouvez aussi venir ici, ça c'est pas un problème. Et ici, par exemple, si je viens là, je vais voir les documents qu'il faut fournir, ligne directrice pour les agences. Voilà, je vais juste vous montrer les documents qu'il faut fournir et ainsi, on va commencer à postuler pour une admission. Donc si je viens un peu vers le bas ici les conditions, voilà, voici les documents qu'il faut fournir qui sont là. Ça va de la licence jusqu'au doctorat, les documents qu'il faut fournir de la licence jusqu'au doctorat, les voilà qui sont là. Voilà, donc nous aujourd'hui ce qu'on va faire, on va comme ça essayer de d'avoir la lettre
d'invitation, c'est-à-dire la lettre d'invitation conditionnelle. Donc, si vous regardez bien parmi les éléments qui sont là, la lettre d'invitation conditionnelle, on va se retrouver quelque part ici. Ici, voilà. Donc, ça, c'est pour avoir comme ça la lettre d'invitation. Ici, c'est pour avoir la lettre d'invitation. C'est pour postuler dans une université. Vous devez postuler dans une université et avoir la lettre d'invitation conditionnelle. Donc, comment est-ce qu'on doit faire pour l'avoir? Je vais vous montrer aujourd'hui tout à l'heure pour que vous puissiez au moins savoir comment ça se passe. Donc, ici, si vous regardez bien, je vous ai déjà dit depuis le début que je considère que je viens pour la licence. Donc, si je viens pour la licence, je vais aller sur la liste, sur les informations qui concernent la licence. Donc, je me retourne, je viens là. Et je cherche ici ligne directrice pour les candidats du premier cycle, diplôme et premier cycle. Donc, ici, je clique là. Voilà. Et voilà. Donc, ici, je viens voir les universités qui sont redirigées pour la licence, les universités qui acceptent la licence. Donc, je vais voir rapidement ces universités-là. Ok, donc ici voilà les universités qui sont là, les universités de la licence. Voilà, donc moi je vais choisir une université et puis essayer de postuler. Donc si par exemple je vais faire par exemple la médecine ou je vais faire les sciences, et je sais que Polytechnique, dans les noms vous devez écrire sur Google pour pouvoir avoir les informations dans ces universités-là. Voilà, mais comme c'est une manière de vous montrer comment est-ce qu'on postule, alors moi je vais choisir comme ça Polyclinique de l'île Maurice. Donc je viens, une fois que Polyclinique, vous regardez là, voici le lien de la plateforme. Donc les liens sont là. Donc moi je clique sur Polyclinique et je vais voir où est-ce que je vais joindre, c'est sur quelle plateforme. Ok, donc voici la plateforme de Polyclinique. Voilà, ça c'est la plateforme de Polyclinique. Donc ici je dois chercher une admission. Donc pour chercher une admission, je vais comme ça venir dans les programmes et d'ici là je vais choisir un programme et de là-bas je vais choisir je vais chercher une admission dans une autre faculté. Donc je viens sur ingénierie. Pour ceux qui font la médecine informatique et tout ça, vous pouvez choisir. Moi je viens sur l'ingénierie. Voilà, donc je clique sur ingénierie. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent vraiment postuler, ceux qui sont intéressés, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse vous aider à le faire. Donc, si je viens sur Ingénierie, vous voyez là, je peux cliquer sur Inscrire. Voilà. Ok, donc ici, vous pouvez trouver toutes les informations. Qu'est-ce que Polyclinique et tout ça, quels sont les domaines que nous offrons et tout, tout, tout. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous cherchons à postuler pour une admission. Vous comprenez? Et la chaîne YouTube que j'ai vous permet de faire les choses un peu plus vite, pour ne pas perdre le temps sur les sites. Voilà. Et pour ceux qui continuent de poser les questions, je vous ai dit, il y a un groupe WhatsApp de soutien. Et pour ceux aussi qui veulent me soutenir, vous devez intégrer le groupe WhatsApp. Comme ça, on pourra mieux communiquer et cela me permettra aussi d'avoir un peu de temps pour moi aussi mes occupations. Donc ici, arrivé là, donc on vous dit prêt à postuler. Oui, en tant qu'étudiant international, donc je vais cliquer sur inscrire en tant qu'étudiant international. Ça, c'est pour l'université Polyclinique. Donc pour les autres universités aussi, vous allez voir, vous allez essayer de voir, c'est la même chose. Mais je vais aussi une prochaine fois peut-être essayer de postuler avec vous pour une autre université. Donc ici par exemple, ça c'est pour avoir la lettre conditionnelle. Donc si nous on essaie de remplir un peu, je vais comme ça essayer de remplir un peu, comme ça vous allez comprendre comment ça se passe en fait. Voilà, donc ici dans un premier temps on met le prénom. Ok, l'adresse, vous regardez bien ici, il y a l'astérisque en rouge.
où les acéries sont en rouge, ça veut dire que c'est important. Ici l'adresse. Après cela, la date de naissance, je considère qu'il vient pour la licence, donc je considère que je suis né comme ça en 2004. Voilà, donc on va choisir 2004. Ça sera mieux pour nous, février le 27, quel mois, 2004, ok. Et les gens, comment nationalité Côte d'Ivoire. Ok, numéro de téléphone. Le second numéro, c'est pas vraiment la peine. Ok, courriel ou le mail. Dans tout ce que je fais, c'est ce qui est important pour pouvoir continuer à vous montrer. Sinon, le reste, ce n'est pas de vraies informations. Ok. Donc, ici, après ça, le numéro du passeport aussi, si vous l'avez, vous pouvez mettre le numéro de passeport. Si vous ne l'avez pas, vous mettez les éléments de votre carte d'identité, voilà, la série de votre carte d'identité, le numéro, vous pouvez mettre aussi, donc, c'est pas un problème. Ok, donc, arrivé là, vous allez cliquer sur suivant, voilà. Donc, une fois que vous cliquez sur suivant, voici l'espace qui s'affiche là. Une fois que vous finissez, vous cliquez sur encore sur suivant. Vous allez voir l'espace demande de coût. Donc, ici, détail de la partie responsable, non. Relation amoureuse, ça, ce n'est pas vraiment un souci. Voilà, ça, vous pouvez passer. Donc, ici, voilà, demande de coût, sélectionnez le titre de coût. Ici, je vais sélectionner ce que je veux faire. Donc, l'instant que j'enlève ça. Donc, ici, si par exemple, je veux faire un baccalauréat de sciences infirmières ou bien option infirmerie, ou bien je veux faire comme ça de l'informatique, analyse big data, ou bien mathématiques, internet des objets, je vais prendre analyse big data ici, sélectionner le type de cours à temps plein. Excusez-moi, donc tu es debout à temps plein, ok. Maintenant, avançons. Arrivé là, on dit comme ça. Un instant que j'enlève ce qui est là. Ok, histoire de l'éducation, qualification académique. Diplôme académique le plus élevé. Donc, quel est votre diplôme académique le plus élevé? Si par exemple, comme ça, vous avez un diplôme, parce que si nous venons pour la licence, ça veut dire que nous avons le diplôme de baccalauréat. Donc, vous essayez de vérifier ici le CP et tout ça. Vous avez un diplôme. Ok. Donc, ici, veuillez cocher votre diplôme universitaire le plus élevé. Vous mettez ici diplôme. Voilà, et si vous voulez, vous signifiez le diplôme ici, le nom du diplôme ici. Voilà, mais si vous voulez aussi, vous laissez, vous continuez. Détailleur de la plus haute qualification académique. Donc, institution, vous mettez par exemple comme ça, où vous étiez auparavant, c'est-à-dire ici, je mets lycée, lycée municipal ou lycée modèle, d'où vous mettez le nom de votre école ici. L'école où vous avez été, et puis vous essayez d'énumérer un peu les facultés et les moyennes que vous avez eues. Si je mets par exemple comme ça
Mais à l'examen, par exemple, à l'examen, j'ai eu en maths, je mets mathématiques ici. Si je mets par exemple, je mets mathématiques et que je mets la moyenne à l'examen, j'ai eu 14 sur 20. Ici, je continue, je peux venir là, mettre la physique, je mets aussi, je peux continuer, vous comprenez, j'espère que vous comprenez. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Mais cette fois-ci, au lieu de mettre 14 sur 20, vous allez mettre comme ça A. Vous comprenez? Si vous avez eu un A ou bien un B ou bien un F, voilà, ça c'est le système européen. Donc c'est à vous maintenant de voir sur le site quelle est la graduation. Quand on parle de A ou bien pas de F, quelles sont les graduations? Et vous allez essayer de les insérer ici. Voilà. Donc ici par exemple, il peut pas mathématiques et je mets quoi? Je mets tiret, je mets le grand A. Voilà. Vous comprenez? Et c'est en quelle année que j'ai fait l'examen? C'est en 2000, peut-être 2021, cette année par exemple, l'année passée, 2021. Et vous continuez, vous mettez aussi la physique et tout, 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 tout. Lorsque vous finissez, vous cliquez sur suivant. Voilà. Et autre qualification académique aussi, vous pouvez mettre, voilà, si vous avez fait par exemple comme ça, une école professionnelle aussi, vous pouvez insérer ici. Donc, de toutes les façons, ce que je dis, c'est que vous avez au moins une idée de comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, pour ne pas dire que je vous ai indiqué comment faire. Vous avez une idée de comment ça fonctionne. Et là maintenant, ça sera à vous de voir comment est-ce que vous allez le faire pour pouvoir postuler. Donc, si par exemple, ça c'est pour cette université-là, et lorsque vous allez finir, vous allez maintenant à la fin cliquer sur confirmation, voilà, pour pouvoir confirmer et envoyer votre dossier sous la supervision de cette université-là pour chercher une admission. Et lorsque vous aurez l'admission, comme ça, ils vont comme ça essayer de vous envoyer cela, de vous dire que vous avez l'admission. Et c'est ainsi que vous allez utiliser l'admission pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir postuler la bourse. Je répète encore, pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez me contacter inbox. On va comme ça essayer de vous aider. Et c'est la même chose partout. Si je viens par exemple sur une autre université, je vais choisir comme ça une autre université, comme ça vous allez comprendre un peu que rien ne change. Ce sont les mêmes éléments, sont les mêmes techniques. Seulement vous devez savoir où se trouve l'admission pour pouvoir la chercher. Voilà. Donc si je viens dans une autre université, je choisis au hasard une autre université, je vais choisir l'université de l'île Maurice ici. L'université générale de l'île Maurice ici, ils sont pas le serveur n'est pas disponible. Ok, je vais choisir une autre université. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est pas un souci pour ça. Donc ok, choisissons une autre université. Je vais choisir l'université de technologie de l'île Maurice. Je vais prendre ça. Si ça fonctionne, on va avancer sur le site. Ok, je crois que pour cette université là, le site est disponible. Vous allez pouvoir postuler pour une admission. Donc on va attendre que le site soit ok. Donc voici le site qui est là pour cette université là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans les programmes encore comme d'habitude. Et lorsqu'on vient dans le programme, ici c'est le programme de troisième cycle, programme du premier cycle. Donc je clique sur le programme du premier cycle pour voir un peu quels sont les programmes et ainsi essayer de postuler pour pouvoir chercher à avoir une admission. Donc ici on a quoi? Certificat alimentaire, on a ingénierie santé publique, coaching sportif. Ici on a quoi? Santé environnement. Donc je vais choisir une université comme ça. Donc je choisis l'université pour avoir un diplôme de technique et technologie du laboratoire bioanalyse. Donc si je clique sur ça, tout dépend de vous. C'est à vous maintenant de voir quelle est l'université que vous désirez et ainsi vous allez pouvoir postuler dans cette université-là. Donc ça c'est le prospectus, voilà. Et à l'intérieur vous allez voir comment est-ce qu'il faut postuler et quelles sont les conditions à avoir pour pouvoir postuler. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Pour ne pas perdre assez de temps, je vais pas trop vous fatiguer. Essayez de voir ceux qui sont intéressés vraiment.
Voilà, essayez de voir comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir postuler. Eh bien les gars, c'était moi, Sam Hospital, et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. A plus les gars.